Bonjour à tous, c'est l'ami Phob à l'appareil. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, je suis encore réveillé, je tiens bon sur ce marathon sur Dead Space qui est sorti il y a quelques heures, enfin plusieurs heures maintenant, Dead Space Remake. Donc je tente de finir le jeu d'une traite le jour de sa sortie, ou le lendemain du coup, qu'il est sorti tard dans la nuit. On est toujours en difficulté difficile, parce que je connais déjà un petit peu le jeu et que je trouve c'est plus rigolo, qu'il y ait plus de challenge. Et donc on va continuer l'aventure tout simplement. Tout simplement. Alors, on va déverrouiller la station de tram. Et il y a rien d'autre à faire ici apparemment. En fait, je peux naviguer après de station en station pour aller chercher les loots que j'aurais manqué par exemple. Et pour le moment on va se concentrer sur le fait que l'Ishimura est en train de chuter dans l'espace, je crois. Je vous vois dans la salle de contrôle. Des nouvelles des moteurs? Oui, mais ça n'a aucun sens. Ils n'ont plus de carburant. La centrifugeuse est hors service. Ah oui. On est attaché à un chargement de 4 millions de tonnes. Sans les moteurs, il va nous entraîner vers la planète. Vous pouvez y arriver tout seul? Ouais. Réparer la centrifugeuse, remettre du carburant et redémarrer tout ça. Mais vous devrez stabiliser notre orbite à partir de là. Je me tiens prêt. Faites vite, Isaac. Je sais plus si j'étais au magasin juste avant. Oui. Donc je vais devoir ravitailler les moteurs, puis redémarrer la centrifugeuse. D'ingénierie, ingénieur en chef Jacob Temple au rapport. De Jésus, j'arrive toujours pas à croire que le chef est disparu. La situation a dégénéré depuis la mort du capitaine. Ils sont tous sur les nerfs ici. On pensait que la révolte était grave jusqu'à ce que. Ces choses sortaient contre les. Bordel, je déjeunais avec ces gens. C'était des potes de Lise, c'était des ex. Et maintenant, les moteurs ont pété. Le principal est en panne et on perd un max de carburant. J'y comprends rien. J'emmène Denver au dépôt de carburant pour réparer ça. Il faut cadrer l'équipe ou ils vont craquer. Temple terminé. Alors du coup, pendant le blabla du monsieur, là, je viens de débloquer une nouvelle arme qui est le découpeur. Que, dans mes souvenirs, pas une arme que j'aimais beaucoup. En gros, ça propulse un disque vers l'avant. C'est pas vraiment une arme que j'aime bien. Demande de sécurité retrouvée. On a besoin d'aide ici à l'ingénierie. C'est peur. On est ici par une terre. Je veux pas. 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 Quoi, où est la sécurité, putain? Oh putain. Il est mort. Non, il est vivant. Mais il a cogné cet évier vraiment fort. Non. Chef, il se passe quoi, bordel? Aucune idée. On annule la demande de sécurité. Anderson a besoin d'un sous-bib. Et d'un psy. Ah, je me souviens de cet endroit, c'est rigolo. Oh putain. Je dis ça et je me fais surprendre par un mock. Je me souviens que j'ai fait plusieurs allers-retours à l'époque ici. Ah, je veux pas des lames de découpeur, c'est nul le découpeur. Enfin, je n'aime pas. Ça se trouve, c'est très bien. Je veux pas aller à l'établi parce que j'ai pas cherché à améliorer ma tenue. Et... Le problème, c'est que j'ai pas de. J'ai pas beaucoup de munitions pour le reste. On va y aller au découpeur, hein. Je trouve que de ça, évidemment. Putain, c'est un vrai labyrinthe. Ok. Ça fait pas de dégâts en fait, c'est ça qui me plaisait pas.
ça qui me plaisait pas des masses, c'est que ça fait pas énormément de dégâts. Réserve de carburant insuffisante. Moteur principal coupé. Ok, je suis revenu ici, parfait. Là-bas, c'est fermé. On va aller checker ici. Les munitions de fusil d'assaut. Ok, ça c'était plutôt rentable, hein, je pense. Station d'oxygène ici, je comprends pas l'intérêt, mais bon, peut-être après. Taille des machines quoi, mine de rien, en même temps vous avez vu la taille du vaisseau hein. On a débarqué dessus donc forcément c'est des machines énormes pour l'alimenter. Il me semble qu'il y a un petit comité d'accueil ici. Pardon, un petit comité d'accueil ici qui c'est. Ah d'accord, ok. Je savais pas qu'il crachait du poison et ça m'a tué. J'espère pas reprendre trop loin. J'aurais dû aller sauvegarder entre temps. Ok, non, ça va. Ok, je reprends juste ici, c'est raisonnable. Il y a un ennemi qui va spawn ici. Et un autre là. Ah, il est pas mort celui-là, merde. Oh, genre, y a pas de. Il garde pas sa vitesse quand je le ramène. Le problème c'est que j'essaie de choper les bonbonnes là-bas pour tuer tous les ennemis, mais je... Je n'y arrive pas. C'était très drôle parce que même le projectile était ralenti. Je sais pas si t'arrives sur cette bataille. En même temps j'arrivais pas à attraper les... Ça c'est fait. Du monde.
pas, il y a tout le temps des bruits bizarres sur ce vaisseau. On va se soigner dans le loot. J'ai fini avec les vagues, chef. Rapport d'activité enregistré par Jacob Temple. Les problèmes de moteur ne viennent pas d'un dysfonctionnement. Quelqu'un a coupé les arrivées de carburant jusqu'au moteur principal et endommagé les valves. On a perdu une heure à les réparer. Maintenant, ils font démarrer la station de recharge. Mais un abruti a coupé le courant et a enfermé le disjoncteur. Sans moteur, on va bientôt s'écraser sur la planète. On fait quoi? Quelqu'un devait bien avoir une captation générale. Va voir si. Attends, t'entends ça? C'est la force! Hachoum. Ouais. Oh là là, il y a des bruits partout. Ah ouais, ok. J'ai tiré une fois trop. Un petit peu dommage. Ok. J'ai vu une silhouette là derrière. Non, j'ai halluciné. J'ai vraiment cru voir quelque chose. On va sauvegarder. Aucun courant, ok. Donc, je crois qu'avec la clé que j'ai récupérée. Isaac, Amand. Daniels, tu es en vie. Dieu merci. Après le pont, on a cru. Ravi de vous recevoir. Je me suis réfugié dans le centre informatique. Je les entends, mais ils doivent pas savoir que je suis là. Isaac, j'ai localisé ton rig. T'es pas loin des machines. Je vais me donner les droits administrateurs. Je peux peut-être aider. Oh, un petit point de force, ça c'est cool. Et ici, donc qu'est-ce qu'on a? Lumière, système de survie. Évidemment, on va couper les lumières. Hein. C'est un peu d'ailleurs dommage puisqu'on a tout le temps que ce choix, quasiment. Il y a un truc derrière que j'ai pas ramassé. Des bruits tellement de partout que... Allez, on va sauvegarder histoire de pas se retaper tout ça si je meurs. Là, je vais tenter de courir. Ça, je suis tranquille puisqu'ils pourront pas me... Ouais, ils vont pouvoir me tirer dessus, ça va être un peu casse-pied. Je sais pas s'ils vont me poursuivre en passant par... En passant, pardon, vers une grille ou quoi que ce soit, je sais pas du tout. Faut que je parte par là-haut de toute façon. J'ai plus de stase d'ailleurs hein, depuis un moment.
je suis ravi. Ouais, c'est ça. Pour rejoindre la salle de contrôle. Ça fait plaisir. Ah non. Ça m'a fait super mal aussi, je crois. On est d'accord. On est d'accord. Ça fait super mal la mine de proximité, effectivement. Ça a du sens. Ok, maintenant je dois aller où? Ok. Oui, je veux l'activer, monsieur. Je crois pas que j'ai gagné quelque chose de spécial. Traceur de ricochet. Qu'est-ce que c'est ? Rechargeur cinétique automatique. Ok, ça coûte une blinde hein, tout ça. Ça coûte une blinde. Donc on va voir plus tard. Je pense que c'est pour améliorer mes armes. Alors, en termes de munitions, c'est un peu la daube. Je sais pas, mais il y avait 400$ qui traînaient. Les munitions, c'est cool. Habilitation confirmée. Ok, ça semble être simplement des pièces de rangement, toutes ces pièces-là. Je crois que je retrouve que des loots à l'intérieur. Oh non. Je m'en souviens de ce passage. Habilitation confirmée. Je me souviens de ce passage. Assez infernal. Peut-être passer à l'établi quand même pour voir si je peux pas améliorer des choses. À la tenue, je pense pas. Quoique si la zone de stase, ça peut être utile. J'ai donc d'améliorer l'air, mais au moins ça me débloquera les nœuds. À côté. Ok. Pourquoi je peux pas faire retour? Merci. Je vais pas améliorer du tout le découpeur parce que. Je veux quasiment pas m'en servir. L'arme d'assaut Will que t'en plasma, oui. Allez, il faut bien augmenter ça un petit peu. Je vais garder le reste des points au cas où. J'aimerais toujours améliorer la stase hein, dès que je peux. Ok, alors.
Ah, j'arrête pas de me tromper le bouton, je viens de claquer un soin bêtement. C'était ça que je voulais utiliser à la base. On aurait besoin, je pense. Ah sérieux? Ah sérieux? On voit rien avec les... La fumée en fait, on voit rien du tout. Ok, c'est fini. Ok, je la voyais plus dur que ça. Même si ça m'a coûté beaucoup de munitions. Hop, on va pas se priver, hein, tout ce qu'on se quitte pas, on le ramasse. Et là, dans mon souvenir, il y avait un point de force tout au bout de ce couloir en circulaire. Et quand on revenait, il y avait des mobs. Par contre, il est beaucoup plus court. C'était très très long d'arriver là à l'époque. Ah, saloperie. Ils sont beaucoup trop petits, quoi, on voit rien. J'ai petit ralentissement des fois, je sais pas pourquoi. Ok, je crois qu'on est juste avant le redémarrage de la centrifugeuse. Ouais, c'est ça, je crois bien. Et t'attaque, j'ai totalement fait un point de stase tout à l'heure pour rien vu que... Je viens d'en retrouver un petit peu mais bon. Pour l'instant ça va, il y avait juste un petit mob.
Et zéro oxygène. Une recherche d'oxygène plutôt. Ici, il n'y a rien de spécial, donc on va remonter à l'étage. Faire un petit tour des fois que. Ouais, non, ça c'est pour la fin. Je me souviens plus du tout comment. C'est un loup ça? Oui. Je me souviens plus du tout comment ça fonctionne. Ça tout simplement. J'aimerais bien rechoper de la petite recharge de stase avant de continuer. Ok. Et on va faire. Ok, ça c'est sympa. Où est le deuxième truc? Je vais être en bas ici, ouais. Ça va. J'entends des bruits, mais je sais pas d'où ça vient. Putain, est de là. Ok. Et bon, on va y aller. Je me souviens qu'ici il y avait un passage très chiant où on dirait que la centrifugeuse est repartie. Fallait éviter ça. Il n'y a plus qu'à redémarrer les moteurs, c'est ça? C'est quand vous voulez. Ouais, c'est pas possible en fait. Ouais bah non. C'est... Ouais, là, je viens de me faire écraser. Normalement, je redémarre juste après le redémarrage. Je redémarre après le redémarrage de la centrifugeuse. Ouais, c'est ça. Avec tout de suite l'oxygène qui descend, c'est sympa. Hop. Je sais plus ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut staser le truc? On dirait que la centrifugeuse est repartie. Il reste plus qu'à redémarrer les moteurs, c'est ça? C'est quand vous voulez. Non, il faut aller là-bas, c'est plus court. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, évidemment que ça m'a touché, ça, le prix.
pas de prendre des dégâts bêtement depuis le début de ce let's play. C'est quand même assez foufou. Là, j'ai plus qu'un kit de soins. Hein. Ok. Ok, on s'en est sorti et on se retrouve avec cet ennemi que j'avais oublié d'ailleurs. Ah, j'ai plus de balles, merde. J'avais complètement oublié. Ça m'a un petit peu surpris. C'est casse-pied parce qu'à part bouffer les munitions, cet ennemi ne sert à rien. Ah oui, c'est par là. Ça me semblait bien. On va repasser dans la salle de compte décontamination. C'est pas par ici, ici c'est le placard. Hop, c'est par là-bas. Ok. Bon, il est déjà 1h du matin pour information. Je vois pas comment en 6h je peux finir le jeu, honnêtement. Je pense déjà que c'est compromis. Je vais tirer au max. Mais je sais pas du tout si j'arriverai à le finir. Isaac, le dépôt de carburant est ouvert. Ça te permettra d'accéder à la salle des machines. On va checker le marchand parce que c'est toujours rigolo, ça fait un petit moment de calme. Ok, je peux acheter des kits de soins moyens dorénavant. Ah, j'ai 18 000 balles, je pourrais peut-être acheter un de ces trucs. Sauf que je ne sais pas. Quelles armes c'est exactement. Allez, faut y tester. Faut tester. J'ai pris l'amélioration qui semble être pour le cutter plasma, après je sais pas du tout si c'est vraiment ça. Entrée en zéro gravité. Vitamon, j'ai piraté les fichiers sécurisés. La CEC n'était pas ici pour une simple revendication minière, hein. Comment ça? Cette flambée a débuté au sein de la colonie quand les mineurs ont déterré un artefact. Ah, évidemment. C'est impossible. Mais ça expliquerait pourquoi Égypte est censée être interdite d'accès, pas vrai? Ordre du gouvernement de la Terre. Quand les mineurs ont trouvé l'artefact, ils ont signalé des cas d'hallucinations, de paranoïa, des suicides. Mais Ishimura a embarqué ce monolithe malgré tout. Comme si c'était prévu. Quoi? Le monolithe? Ok, on se calme. Où se trouve ce monolithe? Dans la soupe. Bien emballé pour la livraison. Hop, et c'est un peu dangereux ça quand même.
Il est pas mort quoi, saloperie. J'étais persuadé qu'il était mort sur le... la première attaque. Sur la double première attaque, on va dire. Et en fait, non. Je pense que c'était volontairement très fort, les amis. Moi aussi, ça m'a pété les oreilles. Ok, donc j'ai débloqué le lance-flamme. Je vais équiper là, même si c'est pas une arme qui m'intéresse non plus. Tir principal, mur de feu. Faut-il que j'avance? Non, ça le fait tout seul. Voilà une bien curieuse place. Je suis censé aller là-bas, donc je vais aller là en premier. Journal d'ingénierie. Dernière entrée. Temple au rapport. Personne ne répond plus au lien Rig. Je crois que mon équipe a été décimée. J'ai trouvé le module de télékinésie qui a servi à bousiller la centrifugeuse. Il est cramé. Ça saboterait l'Ishimura dans un moment pareil. Je vais contacter la passerelle, s'il reste encore quelqu'un. Et je vais chercher Elisabeth pour qu'on se tire de ce satané vaisseau. Habilitation de sécurité de niveau 3. Ouais, en fait, je pense qu'à un moment je vais avoir la clé de sécurité max et que je devrais revenir dans toutes les zones pour tout fouiller. Honnêtement, ça va être infernal hein, parce que le backtracking, c'est pas le meilleur des game design, je trouve. Ok, intéressant. Un établi plutôt. Ok, donc comme je le pensais, c'était bien l'amélioration pour le cutter plasma. Je peux pas la chercher. Applique des dégâts sur la durée. Oh, c'est cool ça. Alors, je suppose que le dernier à aller chercher sera vers le bas là-bas. J'aurais dû plus monter en fait. À faire ça après, mais après je pouvais pas savoir. Ok, mais je vais quand même garder de toute façon pour le moment. Augmenter un peu le fusil d'assaut parce que je m'en sers pas mal. Puis le lance-flamme, honnêtement, j'ai jamais aimé les lance-flammes quoi. C'est pas une arme qui me parle sur les jeux vidéo.
C'est dégueulasse. Ah. Tiens, j'avais oublié ces trucs quoi. Complètement oublié ces trucs. C'est des petites merdes qui s'accrochent à vous et qui vous font énormément de dégâts si vous les laissez faire. Ouais, désolé monsieur, mais dans le loot. Ah. Aïe. Putain. Ça fait beaucoup de dégâts. J'ai vraiment pas beaucoup de vie, hein. Pièce. Ok. J'ai bien senti le truc venir. Hein. Ok, tout va bien pour le moment. Ok, ça ne servait à rien de détruire cette plante et donc de gâcher des munitions. Pas très grave en soi. Genre ça met tout ici quoi. Putain il m'a touché de là-bas quoi. J'attendais pas du tout à ça. Ok, je me souvenais plus qu'il y avait une histoire de crash imminent. Bizarre. Je suis où là? Ah non, ok, ouais. Je reviens en arrière, je me souviens. J'allais vers les moteurs en premier. D'ailleurs ça fait 45 minutes que j'enregistre, donc je vais faire la petite pause ici comme d'habitude. Je vais me dégourdir un petit peu les jambes parce que ça fait 5 heures que je suis en train de jouer déjà quasiment. Non, 4 heures. Donc je vais me dégourdir un petit peu les jambes et je reviens tout de suite après. À toutes.